Bonjour mes amis, bon petit matin, bonjour pour tous ceux qui sont connectés ici à notre direct. Que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu éternel, Dieu lui-même en esprit, le Seigneur Jésus-Christ en esprit, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en esprit, le Dieu Père, soit avec vous en cet instant pour ouvrir la compréhension, pour donner la connaissance, la sagesse, pour révéler le Dieu vivant qu'il est, l'unique et véritable Dieu. Lorsque Jésus dit que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu, et celui qui ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, il résume ces deux paroles, ces deux pensées en une seule pensée pour que vous puissiez comprendre la grandeur de ce que veut dire recevoir le Saint-Esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire nous tous, êtres humains, nous sommes nés de la chair, excepté le Seigneur Jésus, qui est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie et a mis en elle la semence divine, et là est né le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mais en relation à tous les autres êtres humains qui sont nés, qui naissent et qui naîtront, ils naissent de la chair, de la jonction de la mère et du père et de la mère. Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né de la chair à la nature charnelle, à la nature adamique. La nature charnelle, c'est-à-dire physique, matérielle ou matérialiste. Donc, quand une personne est charnelle, elle n'a pas la vision spirituelle, elle ne sait pas ce que signifie la partie spirituelle. Elle ne comprend pas Dieu parce que Dieu est esprit. Comment est-ce qu'une chair peut comprendre l'esprit, l'esprit de Dieu? Dieu est esprit. Et l'être humain, pour avoir un contact, une communion avec l'esprit de Dieu, au minimum, doit être esprit. Parce que s'il est chair, s'il est né de la mère et du père, il n'aura pas accès à l'esprit de Dieu. Il ne connaîtra pas Dieu. Donc Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Adam n'est pas né de la chair. Adam et Ève sont nés de Dieu. Dieu les a formés. Mais ils ne sont pas nés de l'Esprit Saint. Dieu les a formés. Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a aussi créé Adam et Ève. Mais Adam et Ève ne sont pas nés de Dieu. Si vous pouvez me comprendre, ils ont été faits par Dieu, tout comme les anges ont été faits par Dieu. Les anges
ne sont pas nés de Dieu. Ils ont été créés par Dieu comme ses messagers. Adam et Ève ont été créés par Dieu, tout comme il a créé les cieux, la terre, les mers, les animaux, tout comme Dieu a créé toutes les choses, il a créé Adam et Ève. Mais lorsque Jésus est venu à ce monde, il a été engendré, il est né du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est descendu sur la Vierge Marie et a mis la semence divine en elle. Là est né le Fils de Dieu. Jésus, oui, est le seul né de Dieu. Et à partir du Seigneur Jésus, est venu le Saint-Esprit après, lorsque Jésus s'est assis aux côtés du Père, est mort, ressuscité et est allé vers le Père. Alors, il a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit engendre des enfants pour Dieu. Il fait naître des enfants pour Dieu. Je suis né du Saint-Esprit. J'ai été engendré par le Saint-Esprit. Un jour, il m'a engendré. Il m'a fait naître de lui. Donc, j'ai cessé d'être chair. Mon origine, ma nature a cessé d'être charnelle pour être spirituelle. Et cela est en train d'arriver depuis que le Saint-Esprit est venu pour la première fois le jour de Pentecôte. Donc, quand le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte, lorsqu'il est descendu sur les 120 personnes qui étaient au Cénacle, ces 120 personnes ont été engendrées par le Saint-Esprit. Et à partir de là est commencée l'Église du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, l'Église du Seigneur Jésus est formée d'enfants de Dieu, engendrés, nés par le Saint-Esprit lui-même. Donc, l'Église du Seigneur Jésus n'a pas un nom, c'est le corps du Seigneur Jésus. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est engendrée par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'elle est une nouvelle créature. Elle n'est plus charnelle, elle n'est plus assujettie, limitée à ce monde cruel. Bien que nous vivions dans ce monde, mais nous ne sommes plus limités à ce monde. Parce que lorsque nous sommes engendrés par le Saint-Esprit, lorsque nous naissons du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, il nous fait naître de nouveau. Nous cessons de porter la nature humaine, la nature physique, la nature matérielle pour être une nature spirituelle. L'apôtre Paul enseigne cela dans des mots simples. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus, se référant au Seigneur Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Et c'est ce qui doit arriver avec vous, avec tous les êtres humains. Vous devez être esprit. Si vous êtes âme vivante, vous pouvez appartenir à une dénomination, à une église, à l'Église universelle. Vous pouvez être pasteur, ouvrier, vous pouvez être évêque, ce que vous voulez, dans une église physique. Mais si vous n'êtes pas né du Saint-Esprit, vous continuez à être une âme vivante et par conséquent, vous n'avez pas de capacité, de condition de vaincre votre chair. Vous n'avez pas de condition de vaincre le péché. Vous n'avez pas de condition de vaincre le diable.
Vous n'avez pas de condition de vaincre le monde parce que vous portez encore la nature adamique, la première nature d'Adam et Ève, la nature physique. Et là, vous restez une âme vivante. Mais quand le Saint-Esprit descend sur nous, il fait de nous des esprits. Il nous rend esprit vivifiant, c'est-à-dire esprit qui donne la vie, esprit qui transfère la vie aux personnes qui sont mortes dans leur péché. Donc, quand Jésus dit « ce qui est né de la chair est chair », est chair. Tant qu'il est chair, il sera assujetti au péché, au vice, sera assujetti aux immondices, à être bouc qui restera à la gauche de Dieu, qui sera détruit. Mais quand la personne née du Saint-Esprit, elle est esprit, elle porte en elle la nature divine, parce qu'elle est enfant de Dieu. Là, oui, elle est fille de Dieu, enfant de Dieu. Elle porte l'image de Dieu, la ressemblance du Très-Haut. Parce que cette personne est esprit vivifiant. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Évidemment, si vous êtes né de l'esprit, vous comprenez parfaitement cette explication. Si vous n'êtes pas né de l'esprit, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur vous, vous devez être confus, confuse. Mais ne restez pas préoccupé, non. Mettez votre foi, votre focus pour recevoir le Saint-Esprit. Vous allez comprendre tout ce que je dis, plus encore. Voyez, par exemple, quand la personne lit la Bible, lorsqu'elle lit la Bible, si elle est âme vivante, elle ne comprend pas le langage biblique, car c'est un langage spirituel, un langage divin. C'est la langue divine. Par exemple, vous qui êtes né du Saint-Esprit, lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez le langage de Dieu. Le Saint-Esprit illumine vos yeux et vous fait comprendre ce qui est écrit. Il vous révèle les Écritures sacrées parce que là, vous parlez le langage de Dieu, parce que seul le Saint-Esprit nous donne le langage du Très-Haut. Parfois, la personne veut recevoir le Saint-Esprit pour parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour cela. Le Saint-Esprit vient pour nous donner une nature divine, c'est-à-dire pour que nous cessions d'être âme vivante pour devenir esprit vivifiant. Il est clair, évident que celui qui est esprit vivifiant comprend qui est âme vivante parce qu'il a déjà été âme vivante. Mais quiconque est âme vivante comprend difficilement celui qui est esprit vivifiant. Pour cela, il y a des conflits. Pour cela, il y a une véritable opposition à la foi chrétienne dans ce monde. C'est pour cela que les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens nés de Dieu, ils sont persécutés, calomniés, diffamés. Ils sont taxés de voleurs, comme moi principalement, le chef des voleurs de ce monde. Je suis le chef des voleurs d'âmes. Mais ils ne nous comprennent pas parce qu'ils sont âmes vivantes. Ils vivent au niveau, aux limites de la chair. Et qui est chair ne comprend pas qui est esprit. C'est la réalité. Jésus dit, ce qui est né du Saint-Esprit est esprit. C'est pour cela, mes amis, que nous sommes en train de fortifier l'idée que la personne doit recevoir le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit, seul l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est capable de nous faire naître de nouveau et être esprit vivifiant avec la même nature que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, grâce à Dieu. Là, oui, la personne devient enfant de Dieu. Donc, cette conversation
que tout le monde est enfant de Dieu, c'est pour que tout le monde reste consolé. Non, moi aussi je suis enfant de Dieu. Non, enfant de Dieu, c'est celui qui naît de l'Esprit de Dieu, qui naît de Dieu. Pour être enfant de Dieu, vous devez naître du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous appartenez à l'Église ABC ou même l'Église universelle que nécessairement vous serez enfant de Dieu, non. Pour naître de Dieu, vous devez naître du Saint-Esprit. Non de l'Église, de la dénomination, du pasteur ABC ou de l'évêque. Non, vous devez naître du Saint-Esprit. Si vous ne naissez pas du Saint-Esprit, vous allez continuer à être qui vous êtes depuis que vous êtes né, malheureusement. Mais lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, là oui, vous saurez ce qu'est être enfant de Dieu. Ce que veut dire être enfant du Très-Haut. Ce qu'est pouvoir arriver et dire « Notre Père qui es aux cieux ». Alléluia. C'est un privilège seulement pour ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur dans la continuité du jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Amen.